Si tu appliques tout ce que je viens de te dire là, ta confiance elle est obligée d'être boostée, direct. Et si jamais ta confiance elle est boostée, tu pourras accomplir tout ce que tu veux dans ta vie. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. T'as compris qu'ici on charbonne une vidéo par jour. Ouais, c'est comme ça les gars, c'est comme ça. On apporte de la valeur, on apporte de la valeur. Et je t'encourage à faire la même chose. Donc on va commencer ensemble 5 secrets de la confiance en soi. Donc souvent des fois c'est la confiance en soi pour les gars qui sont un peu dans le business, tu vois. C'est des choses qu'on néglige un petit peu. On croit que genre je suis déjà confiant, style. J'ai pas besoin de connaître tout ça, machin. La confiance en soi, si t'as besoin de connaître. Parce que si jamais t'avais une confiance si élevée que ça, tu serais déjà milliardaire. Donc ça c'est un truc aussi, une notion que j'avais pas. C'est que la confiance en soi c'est comme un muscle en fait. Ça se travaille et ça grossit en fait de plus en plus. Et ça a du sens. Parce que si jamais tu n'as pas confiance en toi, jamais tu vas créer ton business en ligne. Jamais tu vas croire que ça va pouvoir fonctionner. Pourquoi? Parce que quand tu as confiance en toi, tu sais que c'est toi qui tiens les rênes de ta vie. Donc il suffit juste que tu décides de faire quelque chose et boum, ça va arriver. Donc ça, c'est cette confiance-là que je veux que tu aies pour qu'il n'y ait pas de bullshit. Voilà, ce que j'appelle les bullshit, c'est est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que vraiment c'est vrai? Enfin, je sais plus c'est quoi les bullshit que les gens ont. Mais pour que tu saches, ok. Moi, quand j'ai commencé à faire mon business en ligne, j'ai dit, même s'il n'y a que très peu de gens qui réussissent, moi, je sais que je fais partie de ces très peu-là. Et ça n'a pas manqué. Okay? Parce que les informations, elles sont bonnes. Si jamais tu as confiance en toi et que tu mets les choses en place, tu auras des résultats. C'est comme les gens que j'accompagne sur Successful en ligne 2.0. D'accord? Je leur montre exactement comment, je les coach même, comment faire pour pouvoir créer leur business en ligne, que tu sois coach, expert, consultant, ou que tu veux vivre de ta passion, ou vendre des formations en ligne, gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Ok, t'attends en description d'ailleurs si jamais tu vas aller plus loin. Bah, si jamais tu appliques ce que je te dis, tu auras des résultats. Fin, point. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à... Non, si tu es déterminé, je te donne toutes les clés et tu avances. Ok, donc moi je m'appelle Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Ok, donc moi les gars, je suis parti de zéro, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi au Pyramide, Évry dans le 91. On a tous une enfance douloureuse. Ok, donc arrêtez de chialer. Et on passe à l'action. 5 secrets pour pouvoir avoir confiance en soi. Premier secret, éliminer toutes les personnes négatives autour de toi. La négativité, elle est contagieuse, encore plus contagieuse que le coronavirus. Je te le dis direct. Ces gens-là, ils vont sucer toute ta confiance en soi comme des vampires. Enfin, c'est comme un cancer. Ça va commencer à venir tout petit, puis ça va se multiplier. Ils vont te manger toute ta confiance en soi. Ne reste pas à côté des gens négatifs. Okay? Quand tu vas être confiant, tu vas dire « Oh ouais, j'ai créé mon business en ligne, je suis chaud, je vais gagner de l'argent et tout, je vais être géographiquement, je vais voyager, wouhou !» Ils vont dire « Non, mais t'es sûr ou pas ?» Parce que je connais Charles, il a essayé de faire ça et ça n'a pas fonctionné. Hein. Il a perdu tout son argent. Dis-moi, je pense que tu perds ton temps. Hein, voilà. Donc ça te calme direct. Même si tu penses que c'est des bullshit, ça te casse. Ça te casse sûr. Ça te casse sûr parce que ça va faire naître un doute. Et lorsque le doute va s'installer, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu bouges pas, mon gars. Comme le lapin qui est devant la voiture, là, qui arrive, hein, tu bouges plus. Ah non, mais ça c'est sûr. Donc maintenant tu vas me dire, ouais, mais c'est difficile, on fait comment? Ils sont partout, ils nous envahissent, ils sont au travail, ils sont à l'école, comment on fait? Et des fois, c'est peut-être même ton partenaire de vie, tu vois. Donc moi, je sais pas. C'est à toi de voir, mon gars. Peut-être changer de travail. Il n'incite personne à rien faire du tout. Tout ce que je dis, c'est un constat. C'est plus contagieux que le virus coronavirus. Deuxième secret, donner des compliments. Tu dis, mais comment ça donner des compliments? Comment ça? Eh ben oui, mon ami, donne des compliments. Fais des compliments aux gens. Déjà, toi, ça te fera du bien. Les gens seront contents. Ils seront contents que tu leur fasses des compliments. Évidemment, tu leur fais des compliments que tu penses réellement, tu vois. Donc, tu leur fais des compliments et ils seront contents. Et en plus, en retour, ils vont te faire aussi des compliments. Donc, du coup, tout le monde est content. Tu as fait des compliments. Toi, tu as reçu un compliment. Ah, tu sais comment on est quand tu reçois un compliment. Tu vois, franchement, ça fait plaisir. Tu es là, tu dis, oh, merci, tonton. J'avoue, merci. Machin, mais toi aussi, hein, t'es lourd quand même, hein, tu vois. Donc tout le monde est content. Donc ce qui se passe, c'est que tu crées une bonne relation et en plus tu reçois des compliments et le fait de recevoir des compliments, bah, ça te fait, comme tu sais, c'est un peu comme le système des autosuggestions, et bah, ça te permet d'avoir confiance, tu vois. Forcément, ça va développer ta confiance. Troisième secret, faire quelque chose qui est bon pour ton corps. Alors oui, on parle de fitness. Oui, on parle de fitness. Faire du sport, en tout cas. Tu vois, parce que lorsque tu vas faire quelque chose de bon pour ton corps, tu vas te sentir bien à la fin. Tu vois, si jamais après une séance de fitness, tu te sens bien. Et donc du coup, ben, ça te permet de te valoriser, d'augmenter ta confiance. Regarde, comment tu te sens, par exemple, après avoir mangé quelque chose on va dire, tout ce qui est fast-food, des trucs comme ça. Comment tu te sens? Tu sais que tu as mangé quelque chose de mauvais.
Comment tu te sens réellement? Tu te sens pas. Tu dis pas, ah oui, je déchire. Non. Tu te sens plutôt. J'ai encore mangé un truc qui était pas bon, tu vois. Alors, je te parle pas dans l'immédiat. Ah oui, dans l'immédiat, c'est super hein, quand tu prends ton sundae au caramel. Oh, non, je vous ai engrainé. Oh, il y en a, ils sont déjà. Oh, il y en a, ils s'arrêtent au drive là. Je les vois. Ils s'arrêtent au drive. Non, les gars, t'es pas au drive pour acheter un sundae au caramel. N'oubliez pas les petites amandes là. Des fois, ils donnent pas les amandes. T'es obligé de revenir. Hey, les amandes, les gars. Sundae au caramel sans amandes, on fait comment? Incroyable ça. Donc, uniquement pour le cheat meal. Donc, non, mais évidemment, oui, sur le plaisir immédiat, ouais. Mais sur le long terme, voilà, tu sais très bien que c'est pas quelque chose qui est bon pour ton corps. Donc t'en es pas fier quoi. Quatrième secret, stimuler son cerveau. Il faut absolument que tu stimules ton cerveau, ok? C'est super important. Ton cerveau, il veut se nourrir constamment, ok? Il a faim, il a faim, il a faim. Ok, donc il faut que tu le nourrisses, que ce soit en lisant des livres, que ce soit en écoutant des audios, d'accord? Nourris-le. Et évidemment, nourris-le, le mieux, c'est des choses qui te permettent de grandir. Ok, de grandir, que ce soit dans la direction dans laquelle tu veux aller, ça c'est le mieux. Hein, après, par exemple, imaginons, moi, j'aime tout ce qui est lié au business. Lié au business, ça peut être du marketing, ça peut être un peu de développement personnel, ça peut être sur le business en lui-même. Ça, c'est des choses qui m'intéressent, qui me passionnent. Okay, et en plus, ça va dans la direction dans laquelle je veux aller. Donc, je grandis et je deviens la personne que je veux être dans le futur dès aujourd'hui. Donc, il faut que tu nourrisses ton cerveau de ça. Ton cerveau, c'est comme un muscle. Si jamais tu ne le nourris pas, ben, il ne va pas grossir. Et donc forcément, plus tu vas le nourrir, il va grossir, plus tu vas avoir de la connaissance, plus tu vas avoir confiance en toi. Ça, c'est mathématique. Et en plus, ça repousse la maladie d'Alzheimer. C'est cadeau, les gars. Donc voilà. En plus, c'est un truc qui t'apporte des choses par rapport à la santé. Et j'ai envie de te dire, que tu veuilles ou non le nourrir, ton cerveau, de toute façon, il a faim et tu vas le nourrir de quelque chose. Ça va être du Netflix, ça va être de télé-réalité, ça va être les actualités, les mauvaises nouvelles. Hein, il y a toujours des mauvaises, toujours de mauvaises nouvelles, les actualités. Hein. Donc, est-ce que tu penses que tout ça, ça va te faire grandir? Non. D'accord, j'attends pas que tu répondes. C'est évident que ça te fera pas grandir de regarder de la télé-réalité, de Netflix. T'imagines, tu raisonnes et tu prends des décisions en fonction de la connaissance que tu as dans ton cerveau. Si jamais tu regardes que des gens qui sont dans la télé-réalité, on fait comment? C'est pas des gens qui ont des compétences spéciales, c'est pas des chanteurs, c'est pas des gens qui ont travaillé, ils ont pas de talent en fait, tu vois, c'est pas péjoratif, ils ont pas de talent. S'ils avaient de talent, ils feraient pas la télé-réalité, tu vois. À moins que ce soit des talents déchus qui essaient de remonter, mais sinon c'est des gens qui ont pas de talent. Ok, donc tu vas absorber leur croyances, leurs valeurs, leur vocabulaire, ça va faire partie de toi et tu vas raisonner comme ces gens-là. Est-ce que ça va te permettre d'évoluer? Je ne suis pas sûr. Et dernier secret pour pouvoir avoir confiance en soi, c'est de faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre tous les jours. Donc on avait un petit peu le compliment, mais là c'est faire quelque chose de bien, n'importe quoi. Ok, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Fais quelque chose de bien pour les autres. Ok, il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Ok, tu prendras plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça paraît peut-être contre-intuitif, mais tu verras que tu seras beaucoup plus heureux à donner qu'à recevoir. Et du coup, tu te sentiras vraiment bien. Donc, applique tous les conseils que je viens de donner. Tu peux tous les appliquer en même temps. Et je peux te dire que si tu appliques tout ce que je viens de te dire là, ta confiance, elle est obligée d'être boostée, direct. Et si jamais ta confiance, elle est boostée, tu pourras accomplir tout ce que tu veux dans ta vie. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Il n'y a pas des bullshit. Ah oui, c'est possible, c'est pas possible. Hein. Elon Musk, tu crois qu'il a le temps avec des bullshit? Est-ce que c'est possible ou pas? Personne n'a été sur Mars. Lui, il a dit qu'il va aller sur Mars. Point final. Point barre. Il y en a, ils me disent, c'est une arnaque de créer un business en ligne. Qu'est-ce que tu veux faire? L'autre, il veut partir sur Mars. Toi, tu me parles, est-ce que c'est possible de créer un business en ligne? Non! Là, il faut arrêter les excuses, les gars, et charbonner, ok? Puis je dire que si tu appliques tout ce que je viens de te dire, les gens vont t'appeler confiance dans la rue. Eh, confiance! Confiance! Quoi, c'est moi? Moi, j'avoue, là. Ok? Applique tout ce que je viens de te dire, mon gars. Confiance déterminée, mon gars. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime, d'accord? Ça fait plaisir si jamais t'as aimé. Si t'as pas aimé, mais pas de chef, y a pas de problème. Mais si t'as aimé la vidéo, les gars, voilà, charbonne. La façon de me récompenser, bah, c'est de me mettre un petit j'aime. Partager la vidéo, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est le jeu, les gars, si vous avez aimé. Si t'as pas aimé, n'hésite pas à me mettre un j'aime pas aussi, et c'est ok, y a pas de problème, t'es un rageux, l'essentiel c'est que tu assumes. Mais pas dans les commentaires, non, mais des fois j'ai le droit de pas être content et de pas mettre, de mettre un j'aime pas et tout. Donc si jamais tu regardes cette vidéo, mais toi t'as compris, t'as confiance en toi, t'es déterminé, et que tu veux être libre géographiquement, être indépendant financièrement, pour moi le meilleur levier, c'est le business en ligne, c'est ce que j'utilise. Et c'est ce que mes coachs ont utilisé qui leur permet même d'être indépendant financièrement aujourd'hui. Ok, donc si jamais que tu n'es pas dans des business, que tu ne connaisses rien du tout sur internet, que tu as une passion, tu veux vendre des formations en ligne, d'accord, tu as une formation où je t'explique exactement comment gagner de l'argent avec les réseaux sociaux aussi. Et tout ce que je viens de t'énumérer, c'est offert.
Okay, donc si tu veux grandir au lieu de regarder Netflix par exemple dans quelques heures, là tu te manges la formation et tu commences à passer à l'action. Ça va faire ça dans les commentaires épinglés. Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, expert, tu as déjà une expertise, ok? Je te montre exactement dans cette masterclass qui est juste dans la description là, comment faire pour atteindre les 5 à ces chiffres par mois rapidement. C'est exactement comment mes coachés ont fait pour les atteindre. Parce que je te parle d'eux, je te montre exactement comment ils ont fait. Ok? Donc, tu n'as pas d'excuses, c'est offert aussi. Et si jamais tu veux aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description. Tu peux même prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Ok? Donc, ça, c'est réservé pour les gens qui sont déterminés. Ok? Si tu viens pour voir si j'avais de la lumière, tu es curieux, ah, j'aimerais bien savoir. Non. Regarde mes vidéos, apprends à me connaître. Ok? Et si jamais tu veux vraiment avancer, tu es libre géographiquement, tu veux que je t'accompagne à tout exposer, Successful en ligne 2.0 est là pour toi. Ok? Donc, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.